Il y a de l'aventure, il y a effectivement la mer, il y a un engagement, il y a un risque, il y a la technologie, il y a la conception des bateaux, il y a la mécanique. Je ne connais pas un sport aussi complet que la course au large, quoi. Faire le tour du monde à la voile, historiquement, maritimement, ça veut dire quelque chose, quoi. Ça gardera toujours ses lettres de noblesse. Tous les Jules Verne sont différents, et nous, on a fait un Jules Verne qui sera le nôtre, qui est unique. On est dans une certaine forme de conquête, quoi, qui est la conquête d'un chrono. Alors ça paraît parfois absurde de passer aussi vite, de s'acharner à passer aussi vite dans des endroits qui sont aussi beaux, mais... Moi j'aime bien ce parcours-là parce qu'on a le temps d'être en mer, quoi. T'as quand même trois caps à passer, tu passes dans tous les océans. Ouais, le terrain de jeu, il vaut la peine, quoi. Aller toujours plus vite et affronter la folie du temps. Tous les grands navigateurs rêvent un jour de devenir les hommes les plus rapides autour de la planète. Ce défi, c'est le trophée Jules Verne. Le tour du monde à la voile en contournant l'Antarctique et en traversant tous les océans, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Depuis sa création en 1990, 23 équipages ont tenté de remporter ce trophée. Seulement 6 y sont parvenus. Le trophée Jules Verne est une compétition extrême au cœur de ce que la nature offre de plus sauvage. Le phare de Créage sur l'île d'Ouessant symbolise la ligne de départ du trophée Jules Verne. C'est aussi la ligne d'arrivée. Entre les deux, il faut faire le tour du monde. À quoi pense Franck Camas à la barre de son trimaran? Le skipper de Groupama 3 et son équipage réalisent le pari de Phileas Fogg, le héros du célèbre roman de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. Un siècle et demi plus tard, Franck entame son premier tour du monde à la voile. Il veut battre le record de vitesse autour de la planète et remporter le trophée Jules Verne. Pour y parvenir, il doit faire le tour du globe en moins de 50 jours, le temps établi par Bruno Perron 3 ans plus tôt. Oh, dommage que Malvia ne nous laisse pas rentrer tranquillement dedans. Survivre cette mer et surtout s'écarter beaucoup de notre route pour éviter le plus gros. Quelque part au large du continent antarctique, Franck et ses 9 équipiers naviguent désormais dans l'océan Indien. Ils sont en mer depuis plus de 2 semaines et filent plein est face au soleil levant. Les conditions de mer sont très violentes. À l'autre bout du monde, le trimaran longe les côtes de l'île sud de la Nouvelle-Zélande avec quelques heures d'avance sur le record. C'est l'été aux antipodes. À Paris, il fait nuit. New Zealand search and rescue authorities have saved 10 French sailors from their A dramatic sea rescue of 10 French sailors. 10 sailors on their way to breaking the round-the-world record. French sailors trying to recover their capsized racing yacht. The 32-meter racing trimaran Groupama 3 capsized 150 kilometers off the Otago. Du bras.
J'étais en train d'envoyer des images quand j'ai entendu crac et quelques voix fortes sur le pont. Je croyais qu'on avait dématé, en fait. C'est une explosion. Ça fait bam. On sait que là, c'est une avarie majeure. Bon, ben, on est à bord. On vient de se retourner. Il y a un flotteur qui a pété. Et ben voilà, c'est les trois premières minutes après le retournement. On déclenche la balise. Heureusement que ceux qui étaient à l'extérieur ont pu s'enfiler dans la coque. Et puis maintenant, ben, on essaye de s'organiser à l'envers parce que c'est pas facile de se repérer. Heureusement qu'il fait jour. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde est à l'intérieur. Là-dessus, on se retrouve tous à l'intérieur. Comme c'est assez brutal, ensuite on pense juste à faire les choses qu'on doit faire dans ces moments-là. Il a donné le point GPS 45-51-59 sud. Our present position is 45-50-49 south. Ah oui, j'ai dû en mettre. Ça y est, c'est parti. Quelques heures seulement après le chavirage, quatre hélicoptères se relaient pour récupérer les 10 marins de Groupama 3. Là, je pense que cet instant-là a fini définitivement de fédérer et de souder le groupe, quoi, clairement. Pour moi, c'est l'élément fondateur, de catalyseur de cette campagne de Jules Verne et Groupama 3. C'est le premier, le second, ça part. Ok, on en est parti. Ok, you are next. Comme tout capitaine, Franck est le dernier à quitter le navire. L'équipage est maintenant hors de danger. Pour Franck, cette première tentative se termine à 100 km des côtes de la Nouvelle-Zélande. À Paris, la décision de continuer l'aventure est prise dans les heures qui suivent. On savait que le bateau avait eu une faiblesse, on allait analyser les raisons, on allait trouver sans doute la solution technique. Et à partir de là, il fallait continuer. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter un premier échec sur une tentative qui était de toute façon une tentative extrêmement difficile. On savait que le record de Bruno Perron était un record extrêmement élevé en termes de performance. L'histoire de Groupama 3 commence en 2004. Franck a la passion des multicoques et avec Groupama, il décide de construire un trimaran géant. Ce n'est pas la première fois qu'un trimaran de plus de 30 mètres voit le jour, mais celui qui est imaginé par Franck, son équipe et les architectes est de loin le plus innovant. La construction a mobilisé plus d'une centaine de personnes et représente 126 000 heures de travail. La cornière, est dessous. La cornière est dessous. Ouais. D'accord, ok. C'est ça le problème. La naissance de ce nouveau bateau marque un tournant dans l'histoire qui lie Franck à Groupama, son partenaire depuis plus de 10 ans. C'est un projet ambitieux qui récompense la ténacité d'un jeune skipper. Ça lâche nulle part, quoi. C'est quelqu'un qui lâche sur rien du tout. C'est jusqu'à ce qu'il n'aura pas assimilé ce qu'on a fait, il reviendra à la charge. Quelquefois, on aimerait bien avoir... dire, bon, ça va, arrête de nous pomper, mais... Non, il revient à la charge, il revient à la charge. Et c'est bien, hein, il a raison. Attends. S'il n'était pas navigateur, Franck Camas aurait peut-être consacré sa vie à gravir les plus hauts sommets de la planète. Après l'ascension du Mont Blanc, à la veille de la première tentative de record en 2008, l'équipage de Franck se retrouve à nouveau en 2009, un mois avant le départ, pour une deuxième expédition dans les Alpes. Alors, ça monte. Tu confirmes ? Ouais. Les marins ne sont pas forcément à l'aise à 3800 mètres d'altitude, mais l'objectif est de souder le groupe avant le tour du monde. Comme de Franck, tu l'assures pour qu'il sorte. Ouais. Et voilà, dans un coin, et là tu tires la corde. Tire la corde juste à la main, sans toucher le... Dans quelques semaines, l'équipage de Groupama 3 va débuter sa période de stand-by à Brest. À partir de ce moment-là, les 10 hommes n'auront plus qu'une obsession,
choisir la bonne fenêtre météo. Autrement dit, obtenir les conditions optimales de vent et de mer pour descendre vers l'équateur le plus vite possible. Après quelques jours en altitude, tous les regards se tournent désormais vers la ligne de départ et vers le ciel. Pour moi, je ne pratique pas beaucoup la montagne, je l'ai découvert avec des guides d'excellente qualité, une autorité mondiale. Et c'est un peu la même manière d'apprendre quelque chose. Ils se préparent pour un sommet, après, bon, voilà, tout est mis en branle pour pouvoir y aller. Et puis après, il faut guetter le moment opportun pour le faire. Donc ça suppose d'être conditionné, de ne pas s'user dans l'attente, d'être prêt à le faire et de déclencher soi-même le moment ultime de l'assaut. Donc bon, bah, là, c'est un peu pareil, quoi. On se balance en aventure à un moment qui nous paraît favorable. L'attente de la fenêtre météo ne dure qu'une semaine. Dans ce hangar, l'avitaillement est conditionné en dizaines de paquets. Ce sont les 150 repas prévus pour le tour du monde. De quoi nourrir l'équipage durant 50 jours et pas un de plus. On est évidemment sûr que c'est possible. Maintenant, on va tout faire pour le faire. Avant Noël, ce sera un beau cadeau pour tout le monde. Hein. Bon, on sent toujours un peu fébrile au départ. On a hâte que ça parte. Là, on va rentrer dans le vif du sujet assez vite. Donc voilà, faut qu'on y aille. Cela fait des mois que les 10 hommes de Groupama 3 se préparent pour cet instant, le départ du Tour du Monde. Depuis la première tentative, 4 nouveaux marins ont rejoint l'équipage. Bruno Jean-Jean est équipier numéro 1, l'Américain Stan O'Neill est navigateur, expert en météo. Il y a aussi 2 nouveaux barreurs, Thomas Coville, spécialiste des records en solitaire, et Lionel Lemonchois, ancien vainqueur de la Route du Rhum. Tous sont des marins solides, ultra expérimentés et de fortes personnalités. C'était pas évident avec tous ces types-là, ces copains qui ont eu autant d'expérience, qui auraient été capables aussi d'être le patron du bateau quelque part, entre guillemets, puisqu'ils ont une expérience de skipper eux-mêmes, tels que Thomas, tels que Lionel, tels que Fred. Et en fait, ces gens-là, au service du bateau, et justement, ont aussi un petit peu, ont vraiment tenu leur place avec beaucoup de respect et peut-être effacé un petit peu leurs envies. Mais ce sont des hommes qui, en général, ont des caractères, pour revenir à l'équipage, des caractères bien trempés, qui sont presque tous un peu des individualistes, hein, très, très, très autonomes. Mais qui ont le goût de la performance, qui se respectent les uns les autres. Et c'est des histoires d'hommes où au départ, tu prends le casting, tu te dis il y a tout pour que ça se frite, quoi. Ben non, ça a fait l'inverse. Ça y est, on est parti là. Ça y est, on a passé la ligne depuis quelques minutes. Lancé à fond de balle à entre 20 et 25 nœuds. Genre d'aventure, pour en avoir vécu quelques-unes, j'ai pas envie de dire oui comme ça systématiquement sans avoir navigué sur le bateau, avoir senti le skipper, en même temps l'équipage, avoir les gens avec qui t'as pas envie. Moi j'ai pas envie de faire le tour du monde avec des gens que je connais pas ou avec n'importe qui, quoi. Les problèmes d'ego n'existaient pas, enfin je veux dire, il n'y a pas de problème d'ego, chacun justement a fait ses preuves et est encore en train de les faire, enfin, etc. C'est à son terrain d'expression. Et qu'au centre de notre désir de nous retrouver ensemble sur ce bateau, il y avait vraiment la volonté de prendre le Jules Verne, de battre le record. Et la notion de projet, la force du projet était plus forte que nos revendications individuelles. Enfin voilà, simplement. Franck s'est entouré de l'élite du multicoque. Les journalistes parlent de Dream Team. En fait, Franck a simplement recruté les meilleurs. Il faut avoir toujours les rapports les plus transparents et les plus simples avec ses équipiers, essayer d'utiliser au mieux
leurs compétences, et je crois que c'est quelque chose qu'ils demandent eux-mêmes, que ce soit la stratégie, que ce soit les réglages, que ce soit la technique, et essayer de s'enrichir de tout ça, quoique le groupe s'enrichisse de tout ça. Donc il ne faut surtout pas museler les gens, surtout des gens de cette qualité-là. Donc j'essaye de faire ça. C'est jamais évident d'avoir une unanimité hein, avec des gens comme ça. Chacun a des très bonnes idées, et même si elles ne sont pas les mêmes, elles peuvent être très bonnes les deux. Donc à un moment, il faut faire un choix, et c'est au skipper de le faire, et les gens avaient compris ça aussi, que c'était au skipper de le faire. Le scénario de ce début de parcours est idéal. Franck et ses équipiers sont en avance sur le record de Bruno Perron, et les vitesses moyennes donnent le vertige. Le 8 novembre, Groupama 3 parcourt plus de 720 000 en 24 heures, plus de 1300 km, presque la distance entre Paris et Rome. C'est les tropiques, quoi. Ah, nickel. Il n'y en a que deux qui vont rester sales. Allez, on sèche. Voilà, le grain est passé. Parfait. Normalement, il fallait quand même diluer un ou deux bouchons dans un 2 minutes de chaud. Et c'était plutôt pour les sols, non? Alors, utilisé pur en cas de tache tenace et essuyé avec un tissu doux et humide. Le poteau noir, zone tropicale et orageuse, redouté par les marins, permet en tout cas à l'équipage de prendre une dernière douche chaude. Groupama 3 navigue désormais dans l'hémisphère sud. Moment magique, Fredo. Ah ouais, très 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 beau. Le petit coucher de soleil dans l'anticlone sous les cumulus, là, c'était magnifique. Les couleurs chaudes, enflammées, super. Fin de journée, en plus la bonne nouvelle, c'est que ça glisse. Donc c'est un petit moment de paix, ouais, c'est vachement bien. Vachement bien, ça glisse, donc c'est bien, on prend de l'avance sur le routage. On peut espérer des bonnes nouvelles. Super. On est descendu plein sud, hein, comme à chaque fois, tourné à gauche, cap à l'est, donc en Atlantique Sud, en circulant cette fois, non pas en arrière d'une dépression, mais juste dans le nord d'une dépression, donc on n'était pas tout à fait dans la position dans laquelle on l'espérait. Et en allumant un peu, on pouvait rejoindre la zone météo qui nous intéressait. Dans l'Atlantique Sud, le scénario se complique. Il fallait passer là, on avait 36 heures à faire fort et à faire dur, un peu contre nature, contre le bateau, et qu'il fallait le faire. Et finalement, quand on a craqué, je crois que c'est moi qui ai entendu le crack, finalement on a eu ce doute et on est allé voir dans la cloison du flotteur bâbord, et effectivement il y avait avarie. C'est quoi ? La panne ? On a panne devant déjà ? Là je te dirais que ça fait mal. Là ça fait mal parce que ça fait deux fois, et qu'on était nickel, et que casser une cloison structurelle comme ça, tu peux pas t'engager dans le sud de cette façon-là, t'es sûr que tu pars à ta perte, donc... Là, c'est un coup dur parce qu'effectivement, là, c'est presque là où on peut plus avoir de doutes en disant ben, c'est quand même la deuxième fois qu'on arrête, même si la casse n'est pas très grave. Mais on peut avoir des doutes sur les autres endroits du bateau. Toute l'équipe à terre est mobilisée pour réparer le bateau et le ramener en Bretagne. Avant que l'hiver austral ne s'installe dans le sud, il est en effet encore possible de tenter un record, le troisième. On
prépare, et puis après c'est le stand-by à nouveau pour dire on va repartir, et puis on voit les fenêtres météo qui n'arrivent pas, et c'est là où on doute le plus, et j'avoue que j'ai été très content quand ils sont repartis, quoi, parce que c'était effectivement l'aboutissement de 3-4 années de travail sur ce bateau, sur ce défi, et c'était vraiment important de pouvoir repartir dès cette année. Deux mois et demi plus tard, l'équipage est de retour à Brest. Sylvain Mondon, le météorologue de l'équipe, vient de passer une nuit blanche. Une toute petite fenêtre météo s'est ouverte, mais elle menace de se refermer. Franck a seulement quelques minutes pour trancher et il décide de larguer les amarres. On va y aller, hein. On va y aller. Je pense qu'on n'a jamais envisagé de se dire ça va pas partir, quoi. Il fallait partir de toute façon. Donc c'est aussi pourquoi ce parcours-là il est génial, c'est que même si tu pars pas sur une fenêtre dite excellente, de toute façon le parcours il sera pas excellent non plus. Donc si c'est pas excellent au départ, ça sera peut-être excellent à l'arrivée, donc, ce qui a été le cas d'ailleurs, parce que la fin a été excellente. Donc je crois qu'il faut savoir être opportuniste un petit peu et puis pas attendre que tout s'en... Parce qu'à force d'attendre, on reste au port. Hein. Le troisième départ de Groupama 3 a lieu en catimini et par un froid glacial. Okay, la ligne est passée. Allez gars, montrez votre joie. Ça y est, c'est parti. Elle est de vivre aussi, de vivre à 10 dans un studio qui fait 1m80 de plafond et vivre pendant 48 jours ensemble. Là, il y a une certaine aventure aussi. Sur le pont, trois équipes se relaient en permanence. L'écart rythme la vie à bord. Il change toutes les 3 heures. Lorsque 3 équipiers sont à la banette, au repos, 3 autres restent en stand-by, prêts à intervenir. Seul Stanhoney, le navigateur, est sur un autre rythme. Orca, il est rivé à sa table à cartes pour suivre l'évolution des données météo. Ah, écoute, là, tu vois, on est au cybercafé. Effectivement, on a à notre disposition un petit computer relié à l'Iridium. Qui peut envoyer les messages par mail ou par SMS, ce que je suis en train de faire à la famille. Et c'est vraiment un lien très très important quand on part pour aussi longtemps. Eh ben écoute, ça a l'air bien beau tout ça. Donc répartition équitable ou pas équitable? Ah ben écoute, on fait une répartition équitable. Hein. Il y a ceux qui bossent qui mangent beaucoup et ceux qui bossent pas, ben, mangent pas beaucoup. Quoi. Je serais un menteur si je te disais que même dans la Dream Team, il n'y avait pas eu des couacs ou des grincements ou des frottements ou plus que des frottements, ça a frité. C'est pas oui, c'est pas le pays, c'est pas un pays merveilleux, quoi. On reste des hommes, tout simplement des hommes, hein. Donc 24 heures sur 24 pendant 48 jours, c'est évident que toutes les séquences ne sont pas des séquences d'euphorie, de partage de copains, de potage, quoi. Voilà. Ah, il fait quoi, Jaco, là? En fait, il prépare une blague.
Non, non, c'est toi qui as mis de l'eau de mer dans la gourde. Moi, je suis pour rien, je vais juste passer la gourde. D'accord. On est d'accord. Oui, on est c'est d'accord. C'est pas la baffe, c'est pas pour moi. Je passe que la gourde que tu m'as donnée. D'accord. On est d'accord. Ok, on est d'accord. En mer, l'environnement n'est jamais le même. Jour après jour, les hommes sont entrés dans un autre monde, plus marin que terrien. Je sais que certains mettent des casques, des boules-quies. Ça, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et au contraire, je préfère entendre tout ce qui se passe. Tu serais capable de donner à un nœud près ou deux nœuds près la vitesse du bateau, ne serait-ce qu'en écoutant. Et c'est pour ça que tu vis vraiment avec les entrailles du bateau tout le temps, en fait. Et quand il souffre, bah, toi, tu souffres aussi. C'est un mélange entre l'écoulement de la carène, l'écoulement hydrodynamique sur la carène, les impacts dans les vagues, les sauts, l'impact du flotteur sous le vent qui vient frapper, la coque centrale qui se repose violemment. Mais le bruit fait partie, c'est vraiment par le bruit qu'on garde le contact avec le bateau tout le temps, même quand on est à l'intérieur. Avant de rentrer dans les mers du Sud, le trimaran est contrôlé de fond en comble. Le mât, c'est le domaine réservé de Loïc Le Mignon. Équipé comme un pilote de motocross, Loïc est hissé à plus de 40 mètres de la surface de l'eau. À cette hauteur, les mouvements du bateau peuvent lui briser les os. Dans deux jours, Groupama 3 sera dans les 40e rugissant et la mer va changer de visage. Ça va Loïc ? Parfait. Pas de soucis ? Non, tout va bien là-haut. C'était bien, ça bougeait pas trop et tout. Par moments, ça bouge quand on bute dans les vagues, mais sinon, ça, y a pas eu, c'était un bon moment pour monter. De fait, l'entrée dans les 40e, c'est un changement de tempo, hein. C'est assez brutal. On passe d'un contournement d'anticyclone où on vient de se battre pour dépasser les 10 nœuds de vitesse. Et puis en 2 heures, on est à 30 nœuds. Et après, pendant 48 heures, on fait 32 nœuds de moyenne. Quoi. On est très très élevé jusqu'au capan. Donc les conditions de vie changent. On commence à rentrer un peu dans un tunnel. Un tunnel avec des hautes vitesses, du froid, du bruit. Il y a un peu plus de danger, évidemment, que quand on descend l'Atlantique. Bon, là, c'est la guerre, hein. Oui. Ça bouge grave, là. Je vais vous montrer la vision d'un barreur. Voici le royaume de l'ombre. L'air y est plus dense, le ciel toujours gris et la température glaciale. On sait très bien que là, on rentre dans un lieu un peu no man's land, quoi. Voilà. Il va falloir se débrouiller, compter sur nous-mêmes tout le temps. C'est ce qui est intéressant, hein, ce pour quoi aussi on part, c'est se retrouver dans cette situation-là, être un peu sur une navette quelque part, quoi. Tu dis là je vais dans un endroit où on s'engage. Il y a de l'engagement. Peut-être pour ça qu'on fait ça. Malgré une trajectoire parfaite et des vitesses ahurissantes,
Franck et ses hommes accusent 7h30 de retard sur le record de Bruno Perron à l'entrée dans l'océan Indien. Mais l'heure n'est pas aux conjectures. Il reste plus des deux tiers du tour du monde à parcourir. L'Indien a mauvaise réputation. La mer y est souvent croisée sous l'effet des courants et des vents qui s'affrontent. Dans ces conditions, se déplacer sur le bateau est dangereux. Les gerbes d'eau qui sortent là, ils sont, c'est des vrais claques, quoi. C'est pas un vaporisateur, hein. Ça cingle, ça fait mal. Tu sors de là, t'as les quand tu reviens de l'avant, en général les équipiers d'avant, ils ont la tronche toute rouge, quoi, comme s'ils avaient pris une paire de claques. Parfois, ce sont des planeurs. Il y a des moments, on se retrouve avec le bateau, quand il est sur une patte, sur un flotteur à naviguer, il y a 95% de la structure du bateau, 90% de la structure qui est dans l'air. Et on est un point d'appui, qui est notre patin, le flotteur sur lequel on glisse, ou avec le foil. Et le reste, c'est l'aérien. C'est un bateau magique. Au Pama 3, c'est un bateau assez fantastique. Je pense que c'est... En équipage, le bateau sur lequel j'ai pris le plus de plaisir depuis que je navigue et depuis que j'ai cette passion en moi. Plus de monde, plaisir, il y en a beaucoup quand même. Mais des vrais moments où le bateau va très vite, où les conditions sont idéales, la mer est plate, et le bateau, il y en a l'impression qu'il vole, tu dépasses les 40 nœuds. Dans le Tour du Monde, on a eu deux fois ça. On a eu une fois, enfin nous, je parle dans notre car, avec le car de Fred et de Ronan, on a eu l'entrée de l'océan Indien, il y a eu un car où on marchait entre 40 et 43, et après les îles Falkland, là, il y a eu une nuit aussi où on a fait un car. On faisait 100 000 dans le quart, 100 000 en 3 heures, enfin c'était magique, quoi. Magique. La houle et les dépressions tournent autour de l'Antarctique sans jamais rencontrer aucune terre. Le vent et la mer sont des musiques obsédantes dans cet univers violent. Il y a peu de marins capables d'affronter la furie des océans. L'expérience des hommes permet aux trimarans de défier cette nature indomptée. Ouais. Et ça passe. Ouais, parce qu'on est bien abattu là. Au large de l'Australie, Groupama 3 établit un nouveau temps de référence. Il vient de traverser l'océan Indien en moins de 7 jours. Les marins français naviguent maintenant dans l'océan Pacifique en direction du Cap Horn et ils ont repris un peu d'avance. Dans ce trophée Jules Verne, il n'y a pas de concurrent visible. L'adversaire est virtuel. Les seuls repères sont les 50 jours du record de Bruno Perron. Le chronomètre est un adversaire qui ne faillit jamais. Le temps qui passe et qui est notre adversaire, qui n'a jamais d'avarie, le temps s'arrête jamais. Le temps, lui, il écoule les secondes. Et t'as beau avoir du petit temps, du gros temps, de la grosse mer, des conditions défavorables, lui, ça s'écoule. Ça ne s'arrête pas. Or, une compétition normale, t'es contre un adversaire identifié qui, lui, va subir la même chose que toi. Et du coup, ça imprime ça au Jules Verne. C'est beaucoup plus positif d'avoir une bonne météo à venir que d'être en avance ou en retard sur le record. Et début du Pacifique, on est plutôt content parce qu'on a de l'avance. Et puis la météo est pas mal jusqu'au Horn, même si la fin, elle est encore instable.
Et puis finalement, elle devient de moins en moins bonne quand on s'approche de la deuxième moitié du Pacifique. La météo ne prédit pas un passage du Cap Horn avant une semaine. En attendant le Cap Mythique à la pointe sud de l'Amérique, les hommes doivent faire le dos rond dans la baston et croire en leur bonne étoile. Une violente dépression oblige le trimaran à prendre une route nord. Ce détour rallonge la distance à parcourir vers le Horn, mais permet aussi d'éviter de croiser des icebergs. Il faut se relayer toutes les heures à la barre et parfois toutes les 30 minutes. La mer ne pardonne pas. La moindre erreur de pilotage serait fatale. Ça va, Franck ? Les vagues sont pas trop dures à négocier. Ça va. Mais avec. Pas facile, mais ça va. Le sud est un univers exaltant de glisse et de plaisir. En orbite autour du monde, les barreurs surfent la houle et des vagues de 6 à 8 mètres de haut. Pour la première fois, Steve Rabussin, le montagnard, découvre la magie des mers du Sud qui nourrit les rêves de tous les marins. C'est pas de la poudre, hein, c'est un peu plus dur, mais par contre ça glisse. Hein. Ah, c'est beau, hein, voir des fois le bateau souple. Mais des fois il y a des super belles. Le multicoque, la caractéristique du multicoque, c'est un peu comme la moto. Quand vous êtes assis derrière ou quand vous êtes à l'intérieur, on a l'impression que ça ne va pas le faire. Et puis, en fait, quand vous arrivez sous le pont, le temps que vous avez, on s'aperçoit que... Il y a eu une fois sur le Tour du Monde où, effectivement, je suis sorti en disant... on l'a tous fait, hein. Tout le monde l'a fait. Il y a eu un moment où pour moi, c'était... fallait lever le pied, quoi. Il y a des moments où tu pars dans une certaine euphorie, tu te sens bien. je me souviens très très bien du moment. Hein, on pensait que ça allait plutôt mollir et en fait ça a forci. Et à l'intérieur, c'était devenu un cauchemar invivable. Et c'est de l'intérieur, donc, d'ailleurs c'est Lionel Monchois qui est intervenu pour nous dire « Mais attendez les gars, vous êtes sur notre planète là. Ça cogne, c'est du délire, on va tout casser. » Moins on a de pression et de responsabilité, plus on a envie de se faire plaisir avec le bateau et donc d'aller vite et de le pousser, etc. Après, malheureusement, sur la longueur, on peut pas faire ça sur 50 jours. Il faut se mettre des bornes. Les nuits de pleine lune révèlent la profondeur du ciel austral et facilitent le travail des hommes de quart. Jour et nuit, comme sur une pente, le trimaran dévale la houle, avale l'océan Pacifique et engrange les milles. Les sensations de vitesse en mer, je trouve, où elles sont très fortement, où tu la ressens, je trouve que c'est la nuit, et que tu sais que tu ne vois pas devant le nez du bateau. Enfin, tu ne sais pas s'il y a de la vague, s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Et que tu sens ce bateau-là qui quand même part en survitesse et que tu vois ces folles qui travaillent au maximum pour le ressortir, là, ça te fait quelque chose. Bah, c'est un truc extrême et l'équipage connaît très bien ces dangers. Et c'est notre préoccupation principale, c'est gérer ce danger. Hein. Préserver le bateau, se préserver soi-même, savoir que
C'est un peu jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien. Voilà. Plus que la force du vent, c'est l'état de la mer qui permet à Groupama 3 d'atteindre de grandes vitesses. Après un mois dans des conditions extrêmes, la fatigue s'accumule. Elle est un ennemi qu'il faut combattre. Et en voilà un. Attention. Action. Lionel Mauchois entre sur le ring. Yeah, man. La foule en délire. On regarde la foule. La foule en délire. Ouais. Effectivement, énormément de monde ce matin. La veille du passage du Cap Horn. Et voilà le deuxième qui monte sur le ring. Rond dans le coffre. Le Brésilien du bateau. Bonjour, Jaco. Bien et toi, bien en vie? On fond de bail, ouais. Bien dormi quand même? Ouais, à la fin. À la fin, ouais. Et derrière lui, en troisième position, Fred de Lefretrec. A-t-il bien dormi, Fredo? Mais ouais, mais alors à la fin, mon Jaco. À la fin aussi. Ah, je me suis écroulé à la fin. Comment ça se fait que tout le monde dort à la fin? Bah parce qu'à la fin, on est fatigué. Au bout du ventre, on est fatigué. Porto origine França. França também, uma volta do mundo em competição, câmbio. Genial de llamada. Tongo Oscar Romeo Golf. C'est pas beau, hein? C'est toujours le moment magique du voyage, ça. Absolument. Arriver au Cap Horn, passer à côté comme ça, c'est quand même top. Aujourd'hui, il fait une super position, hein. Il fait beau. Voilà, les bains sont contents. Je cours après un nouveau capornier, c'est pas facile. Il a des ailes. Mais là, c'est sympa de le passer de jour. Atmosphère un peu blafarde, un peu fraîche. Un peu fraîche. Mais il y a des techniques de réchauffement. J'ai l'impression. Ah, Stan et Sarah. Voilà la technique de réchauffement. Potion magique. Ouais, jusqu'au Cap Horn. Good. Depuis 2 minutes, ça vous fait quoi? Le passage de ce caillou-là, c'est un moment important en tous les cas sur notre voyage, puisque ça marque la sortie du Pacifique. On est très très proche d'Orange en termes de temps de passage, et ça va se jouer sur cette remontée qui s'annonce palpitante. Ça va être un bon suspense. Les deux tiers du tour du monde accomplis, Groupama 3 est désormais à égalité avec le bateau de Bruno Perron. Mais il faut encore se cogner la remontée de l'Atlantique. Symbole de la puissance des mers du Sud, un albatros vient saluer le trimaran et signifier aux marins l'immensité du monde dont ils font le tour. Tanonet, le navigateur, n'a pas fini de gamberger devant sa table à cartes. La réussite du tour du monde dépend maintenant des analyses météo. Ouais, la dernière barrière météo, elle était entre le Cap-Vert et les Canaries, quoi, à la latitude en remontant l'Atlantique. Jusqu'au passage de cette dernière dorsale, c'était encore très incertain. Ouais. Contrairement aux apparences, la météo n'est pas favorable pour le record. Dans cette remontée,
Le retard se creuse et atteint 560 000, l'équivalent de 24 heures. Une éternité. À bord, le doute s'installe. Chacun sait que c'est la nature qui décidera. On sentait bien que le bateau ne trouvait pas les bonnes fenêtres pour passer l'équateur. Sylvain Mondon, notre météorologue, n'arrêtait pas de nous dire « mais une fois passé l'équateur, les conditions vont être favorables ». En fait, j'y ai cru lorsque Bruno Perron a dit qu'il arriverait un ou deux jours avant son propre record. Là, on a commencé à se détendre et n'être plus inquiet que sur l'aspect du matériel. Quoi, en fait. À terre, un avion de la Marine nationale s'apprête à décoller. Quelque part dans l'Atlantique, les militaires vont à la rencontre de Groupama 3. C'est la dernière ligne droite. Franck Camas et ses équipiers sont en train de réussir leur pari. Le tour du monde en moins de 50 jours. Oui, Renan, comment ça va? Ça te prend bien du but, c'est bon? Ah bah écoute, tout va bien. Je pense que tout le monde a relativement hâte quand même de prendre une bonne bière fraîche et de prendre une bonne douche chaude à toi. So Stan, how many miles from the finish line? We're 25 miles away. It's just under an hour. Perfect. That's the finish. That's the finish. It's been quite a trip. Créage, temps de créage à tribord. On est plus qu'à 3 nautiques de la ligne quasiment. J'ai beaucoup aimé l'arrivée de nuit parce qu'on s'est fait tirer par le phare du créage. On le voit de loin, on le voit pratiquement à 35 nautiques. On voit le halo là, qui arrive. Donc, et je trouve cette image particulièrement belle, quoi, de se faire attirer par un phare comme ça. Bon, Nono, dans très peu de temps, le passage de la ligne, qu'est-ce que t'en penses? De moins de 1000, on a le record. Donc je pense que tout le monde peut être fier un peu d'avoir vécu cette aventure. Allez, Renaud, ça fait la deuxième fois pour toi. C'est la routine alors? Oh non, c'est pas la routine quand même. Ça reste toujours un moment sympa d'arriver. Lionel, on a combien de milles de l'arrivée? 1 000 tout rond. This is Kobama, half a mile to the finish line, about 1 minute. Nico, est-ce que tu as reçu un demi-mille de la ligne? Environ 1 minute. 30 secondes, passage de la ligne, ça me fait quoi, Loïc le Mignon? Ça vous fait quoi? Oh, ça fait du bien, hein. Jack, ouais. Allez, si la joie éclate, ouais. Comme la fouette escalier. Ouais. Super, Lionel. Lionel. Ah, voilà, les têtes, là. Voilà. Démontrez vos têtes. Ah, voilà, côte de bas. Voilà, les cotons. 48 jours, c'est finalement un objectif qu'on s'était fixé avant le départ. Et même si on avait des conditions météo qui n'étaient pas favorables assez souvent, un peu trop à notre goût, on arrive grâce à l'hémisphère nord et à la dernière ligne droite à rattraper pas mal de temps et à faire un temps tout à fait convenable. Quelques heures après le passage de la ligne, les marins de Groupama 3 sont accueillis en héros dans la rade de Brest. Ils améliorent de 2 jours le précédent record de Bruno Perron. Franck et ses équipiers sont les premiers à passer sous la barre des 50 jours. Ce tour du monde m'a encore plus donné envie de retourner dans ces mers-là. Au début, on les craint un peu, ces mers-là, parce que c'est des légendes, etc. Et effectivement, c'est particulier et difficile, mais c'est tellement grandiose qu'on a envie, on a envie d'y retourner. Quoi. Un accueil sympa, hein? Ouais, super. Ouais. Après Bruno Perron, Peter Blake et Olivier de Kersauzon, à 37 ans, Franck Camas est le 4e marin à remporter le trophée Jules Verne.
Sa victoire est celle de toute une équipe. À quoi pense-t-il au moment de poser pied à terre? Il doit sans doute se dire que la planète est grande, même en 48 jours.